intérieur, notamment l'article 204 des règlements intérieurs. Je pense que cette interruption de consultation, concertation entre les différents blocs ont permis d'avoir ceci. Nous avons pour appris le sénateur Ronald Larèche. Pour refléter encore la composition du Parlement du Sénat de la République, l'opposition, il y avait deux candidats, mais le sénateur Nenel Kassim en avait parlé, et c'est le sénateur Elvalier Beauplan qui est retenu pour l'opposition. Il n'est pas là, c'est lui qui est retenu. Donc après l'opposition, et pour le bloc majoritaire, on a la sénatrice Dieudonne Étienne Dumas, le sénateur Ronny Célestin, le sénateur Kedler Augustin, le sénateur Frosner Denius, sénateur Frosner Denius. Attendez, laissez-moi terminer. Donc, sénateur Ronny Célestin, sénateur Kedler Augustin, sénateur Frosner Denius. Non, ça fait quatre, oui. Et le sénateur Ronald Larèche, le sénateur du Don Étienne Numa. Donc, secrétaire, prenez note pour nous, s'il vous plaît, les six. Monsieur le Président, comme ça, commission de décharge. Si vous me permettez. Sénateur, ça, oui, sénateur, sénatrice d'abord. Sénateur, sénatrice. Président. Vous citez nos frères Nadineus. Hein? M'attendez bien. Oui. Oui, frères Nadineus. Pour qui groupe, président? Pour le bloc majoritaire. Ah, pour le bloc majoritaire. D'accord, Président. Merci. Alors, la commission des comptes généraux et des charges. Monsieur le Président, le sénateur Salomon. Le sénateur Salomon. Oui. Monsieur le Président de séance, distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, depuis l'année législative, ça a commencé, m'a assisté à un spectacle hideux. Un spectacle hideux en ce sens que vous sentiez gagner ça n'était capable une sorte de mercantilisation. Eh bien, du pouvoir législatif, particulièrement au niveau du Sénat de la République. Côté que même le c'est la loi de la majorité qui prévaut. Mais non seulement bagaille pas fait avec élégance, mais on sentit qu'on sort d'exclusion qu'a fait au niveau de Sénat. J'ai entendu parler. Monsieur Accordé. Ça a toujours existé, Président. Minorité a toujours subi en bas la loi de majorité. Quelle que soit la commission, quel que soit le bureau, quelle que soit la séance. Je dis à moi quoi? L'aide de majorité, minorité, c'est pour l'accepter. Et pas pour le plein, son devoir pour le subir en bas la loi. Majorité, parce que la majorité a toujours dans la tête de toute commission et en dabiou, la configuration est toujours la majorité à priorité. Merci beaucoup. Sénateur Salomon. Apprécié pour collègue Moni Célestin. Le sénateur Salomon ne fait partie ni de la majorité ni de cette minorité entre guillemets. D'ailleurs, tout le monde qui a constaté le jour dans le Sénat République, c'est
c'est la suprématie de la pensée unique. Voyez bien, qui prévaut. Pourquoi même qu'a dit, est-ce qu'il y a majorité, est-ce qu'il y a minorité? Maintenant, comme le sénateur Salomon ne fait partie d'aucune de ces parties, maintenant, d'ailleurs, mais qu'on est, singleton, yo, dans qui position yo dans le Sénat et qui utilité yo à l'Assemblée. Bon, accordé, sénateur Bélizer. Oui, président. Je salue les collègues Salomon, que je prends le soin d'écouter avec attention. Mais j'aimerais que mon collègue enlève le mot mercantilisme qu'il vient d'utiliser. Deuxièmement, président, j'aimerais que vous lisiez pour notre collègue ce que dit le règlement intérieur en ce qui a trait à l'élection et de ce bureau-là, de ces six sénateurs pour former la commission bicamérale. Parce qu'il vient de dire qu'il est un singleton. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour les singletons? Donc, vous allez voir, parce que c'est la loi que nous devons appliquer. Oui. Ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Il a toujours dit que quand il y a un grand monde, si monde pas boule caille. Je dis, hein, comme il y a des intérêts politiques et économiques qui sont en jeu, nous pas ouais ça, sénateur Salomon, vous l'avez dit. L'homme est à belle, voyage. Population a gardé nous, messieurs et dames. Je dis, hein, sénat tourné du côté, eh bien, non seulement pouvoir vendre. C'est vrai que la majorité, mais monsieur Sakap fait là, il parle de démocratie. Attendez. Laissez terminer le sénateur Salomon, s'il vous plaît. Maintenant, je parle de singleton, je ne vais pas demander pour que le gagner un bagaille. C'est pas ça que je l'ai dit. D'ailleurs, n'a pas manqué, j'ai toujours gardé le mutisme. J'ai toujours fait silence. Parce que moi, côté nous praler là, il n'est pas bon pour nous. Après répéter, et collègue Bélizèrement de m'enlever, oui, monsieur. Pas de monde qui parle que le Sénat tout non petit marché. Côté que nègre après que la fait business. Yo. Dès qu'il s'agit de compte. Sénateur Salomon, le Sénat de la République est une institution et non un marché. Monsieur le Président, laissez-moi terminer. Président, une motion, président. Président, une motion, président. Moi, dis-moi encore. Président, une motion, président. Il y a une telle motion, monsieur le président. Il y a une motion. Nous pas capables. Terminez. Vous avez une minute pour. Vous avez une minute pour terminer, sénateur Salomon. Terminez, s'il vous plaît. Frustration personnelle, pas qu'à. Et privilégié. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, nous pas qu'accepter ça. Il faut comprendre que le sénateur Salomon a droit à la parole. On ne peut pas m'enlever la parole. Sénateur Salomon, vous avez la parole. Terminez. Je reste et demeure sénateur de la République. Très bien, très bien. Donc, il y a une jeu, c'est la tribune. Très bien, merci. Très bien. Très bien, c'est un double désert. Merci beaucoup. Président, m'obliger calmement, parce que même j'ai avec collègue moi Salomon, qui m'apprécie en pile, qui me fait 11 mois m'a suivi dans le Parlement, qui n'ont pas qu'à mettre en doute le niveau de compétences. Cependant, il y a des interventions là fait, moi qui gagne. On n'a pas dit totalement, donc il y a un peu de frustration là-dedans. Motion, monsieur le président. Motion accordée. Le sénateur Salomon ne saurait avoir de frustration parce qu'il reste et demeure un sénateur de la République. Très bien. Et pendant que je défends les intérêts supérieurs de la nation, moi dis-nous, j'en sais pas, la population, regardez-nous, nous l'aide dans la figure de la population.
Très bien, c'est à toi de continuer. Oui, président, c'est que je voulais dire, collègue, là. Je crois que le Sénat est une institution, je crois que la comparaison la faire. Parce que moi, je pense que c'est dans l'intervention, collègue, parce que comme nous, c'est plus pratique ça qui garde dans le pays. On pratique côté que quel que soit citoyen, quel que soit député, sénateur, magistrat, président, eh bien, ils veulent vendre une image comme si c'est des gens qui ne pas respecter rien. Moi, je dis collègue Salomon, où l'on a assemblé. Par exemple, moi, là, c'était une démarche qui a fait un pile compromis pour monter le bureau. Pour être capable tout bonnement discuter avec les collègues, yo, montrer aux intention pour que vous fassiez partie des bureaux et tout collecte à comprendre. Et deuxième bail, collègue Salomon, même de rentrer là en 14 février l'année dernière, et l'aide de arriver dans le Sénat, de joindre toute commission fin montée. Eh bien, sérieusement, je suis rentré dans la commission pour me travailler comme tout collègue. Je suis battu dans le bureau et vous avez fait toute période là, je ouais, c'était dans le bureau. Donc, si aujourd'hui, vous venez dans une situation, pas décidé de faire partie des bureaux, je ne crois pas que y ait nécessité pour que ces deux accusations soient lancées à travers le Sénat pour montrer que tout le monde a ses affaires économiques à régler. Et je ne crois pas que si un collègue prend une responsabilité pour faire partie des commissions de décharge, c'est parce que l'intention de faire un bagage économique ou bien en question financière qu'il voulait régler. Je crois que tout collègue là, population votée pour venir servir la population. Moi, mon collègue l'a parlé, moi-même, d'accord avec vous, mais quand même, il faut qu'on dise gens connaissent avec des collègues sénateurs qu'on va adresser, et c'est à pays qu'on va adresser. Parce que les NAP fait ça, on va pas protéger, on va protéger le pays. Au contraire, c'est une mauvaise image des pays en avant. Mais je dis tout collègue, il y a des collègues qui viennent là, qui viennent faire travailler de manière ordonnée, de manière scientifique, sans qu'ils n'aient pas d'intention, ni viennent piller, ni viennent faire quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on ait un minimum de réserve, un minimum de respect, l'on va adresser à non très seulement bien. À PIA, mais bien. Et à collègues sénateurs. Très bien, merci. Il a terminé. Il a terminé. Merci. Sénateur Célestin. Président, moi-même, je pense que collègues là, je vais apprendre ça à la compte très bien. Nous avons assemblée politique. Nous avons assemblée politique, par un ami, par une famille, c'est intérêt. Assemblée d'abord et la nation. Je dis à ma position commission montée. Bonjour, monsieur le président. Monsieur Accordé. Juste avant de m'adresser à si j'étais au tribunal, comme vous êtes du gouvernement. Vous êtes au Sénat maintenant. Maintenant, vous êtes sénateur. Juste avant de m'adresser à mon nom, je n'ai pas demandé pour que le doyen tribunal prenne acte de ça que vous êtes là. Je dis sur l'assemblée politique. Pas des familles. Pas des hommes. C'est intérêt. Donc, nous bannerons, comme je me dis que il y a une mercantilisation du pouvoir au niveau du Sénat de la République. Mais moi, monsieur le président, je ne manque personne de mon respect. Je respecte tout le monde. D'ailleurs, le sénateur Salomon est très respectueux, non seulement de principiaux et de collègues moi autour. D'ailleurs, je suis toujours là à l'heure, le sourire aux lèvres, vous respectez tout le monde. Mais moi, loin. L'homme politique doit être visionnaire. Moi, dis-nous, Jean Sénat a fonctionné là. Côté que PHTK et Ali a fond d'appuyant, population va le révolter parce que n'a pas défendu l'intérêt personnel. Nous, fatra dans la rue, arrière pays, en misère. Je pense que c'est ça pour nous commencer à débattre là. Mais ce n'est pas venu là, nous former commission, prend tout pour nous. Pendant ce temps, pays, la coulée. Merci. Sénateur Salomon, il y avait un autre du jour. Du jour là, il était l'île de voter, nous d'accord. Et c'est lui-même pour nous débattre en assemblée. Nous n'avons pas du jour pas de question pour nous traiter de question fatra. Non, l'autre du jour, je n'ai pas terminé, sénateur Salomon. Pas de question de fatra là, dans l'ordre du jour là. L'ordre du jour là, il passe le vote. Et c'est ça qui est dans l'ordre du jour là pour nous respecter. Et ses collègues sénateurs, et par respect aux collègues sénateurs qui votent, c'est eux-mêmes qui votent, c'est eux-mêmes pour nous suivre. Question fatra, le pression misère, n'a mettez dans la prochaine séance, ou en haute du jour, n'a débattu à la tribune de l'Assemblée. Merci. Sénateur François Denise d'abord, après sénateur. Président. Sénateur Célestin. Je dis à aucun collègue qui a parlé de PHTK.
Si nous regardons la configuration bureau sac là, je dis, et configuration bureau qui est passé là, nous voici des bureaux composés. Moi-même, moi passé, problème Fatra, c'est problème Mariska. Chaque population vote chaque monde avec attribution par eux. Bah là, moi, c'est Fatra ou Mariska. Je dis à nous-mêmes, comme sénateurs, nous avons référé comme pouvoir de contrôle pour nous là, pour nous garder action au gouvernement. Moi-même, moi passé. Motion, monsieur le président. Deuxième. Non, vous avez droit à deux motions sur l'intervention. Deux. La dernière, pas autant de fois, deux seulement. Voilà, merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez parlé de problème Fatra. Non, c'est pas monsieur le président. Non. Disons, mon collègue s'est destiné à parler de questions Fatra qui va concerner nous comme parlementaires, comme sénateurs, nous avons pouvoir de contrôle. C'est là où l'écrivez, monsieur le président. Avec tout respect que c'est pour les grands, pour les gars, c'est pouvoir de contrôle que nous gagnons. Le pouvoir législatif est vassalisé par le pouvoir exécutif. Moi, je dis nous ça qu'a fait là, sont question de pouvoir là, qui font mémise sur le Sénat de la République. Et nous arrivons côté, nous tous, nous n'avons gardé l'autre, nous pas capables d'exercer le pouvoir de contrôle ça sous le pouvoir exécutif là. C'est malheur ça, moi, pour nous. Très bien. Céleste, terminez pour nous, s'il vous plaît. Président, comme je vous dis, collègues, là, pour l'Assemblée, nous sommes dans l'Assemblée des sénateurs. Je dis à la Commission, c'est l'Assemblée sénateur avec Météo, Biwa, c'est l'Assemblée sénateur avec Météo. Ce n'est pas exécutif. Si nous sommes exécutif là, nous avons des conseillers. Je dis à nous élions Biwa qui ont des membres et au président, même basé sur l'Assemblée sénateur, qui mettait tout le monde là et qui forme une commission qui mettait président, vice-président, secrétaire rapporteur et ensuite Biwa. Moi, je pense que comme nous pouvons faire bloc inscrit. Les blocs inscrits dans le prochain des accords dans la commission. Nous connaissons bien indépendant, bien des autres blocs. Mais comme nous pouvons connaître, nous-mêmes nous disons, dans la commission des échanges, là, il y a quatre membres, il y a quatre personnes pour la majorité, les deux membres pour l'autre reste sénateur qui est groupé en bloc ou bien qui est arrivé. Parce que je vous dis, je ne pas décider qui dit qui est-ce qui est dans l'indépendant, qui est-ce qui est dans tel autre bloc différent. Merci. Moi, je pense que ne pas bien faire débat sur ça, c'est en forme de commission pour nous mettre le Sénat au travail. Merci beaucoup. Merci. Sénateur Denis, François Denis. D'après le sénateur. Et président Jean Outé, et rappelez-le, séance en la fête suivant une ordre du jour que l'Assemblée a été votée. Vous demandez Assemblée pour nous faire une dérogation pour nous retourner dans point 2.1 qui c'est finalisation de la commission des comptes généraux et de décharge. Ce qui est fait parce que justement président vous venez de citer les noms des membres de cette commission de décharge. Tout à fait. Et juste après le collègue Salomon lui fait des remarques pertinentes et qui a un rapport à ça nous a fait comme assemblée. Je pense que il y a toujours eu des débats côté de tourner avec les remarques pertinentes. Mais je crois que le président, et on a terminé avec le point 2, qui est la finalisation maintenant. Il serait bien de continuer avec le point 3, qui est le vote de ce projet de loi sur les collectivités territoriales que nous avons là. Très bien, merci. Le sénateur Dumont avait demandé la parole. On retient votre proposition qu'on va soumettre à l'Assemblée, mais on passe la parole au sénateur Dumont. Il avait sollicité. Merci beaucoup, président. Moi, sollicité parole là parce que vous avez une réponse à sénateur Salomon sous question Fatra que le dédié. Hein. Et ensuite, sénateur Célestin qui parlait de l'intérêt. Je conviens que dans le cadre où on travaille dans le pays, institution en place, et où j'ai l'impression que mon n'y a pas besoin de faire, il faut encore que on est capable de rester dans le formalisme ça, par rapport à l'ordre du jour. Là. Mais moi, je pense que travail nous comme sénateurs pour nous faire gouvernement, faire effort pour le travail, pour nous rester dans la ligne institutionnelle là, et Fatra, grand goût,
sous-emploi, donc moun ki pa travay, moun ka travay mais ou pa travay vre, moun ka touche 15 000 goud, 20 000 goud avec une inflation ka monte, hein. Et problème l'école, si moun a l'école mais pas l'école vre, ces problèmes sociaux sont toujours à l'ordre du jour, président. Je crois que les 11 mois que vous et moi nous avons ici nous permettent, parce que je pense nous sommes assez vigilants pour que nous nous connaissions très bien. Je pense que il y a eu comme un lapsus, comme une fuite, et que ce n'est pas le sénateur Sildor que je connais qui a répondu que Fatra par l'ordre du jour. Et je fais la transition vers... Président, motion. Motion accordée. Et bon, c'est une rare fois que je prends motion sur le collègue Dumont, parce que c'est un collègue qui toujours fait des interventions très minutieuses, très pointues. Mais je pense que si nous débattons, il faut gagner une méthodologie, il faut gagner une façon nous débattre dans l'Assemblée. Et si nous parlons de collectivité territoriale, et puis tout d'un coup, et nous tombons dans 4000 professeurs qui n'ont pas gagné l'être dans le faut que nous et puis tout de suite après, nous parlons de 80% de jeunes garçons et jeunes filles qui sont en chômage. N'a pas parlé de l'université à Pacage. Finalement, n'a pas parlé de tout bagaille et n'a pas parlé de rien. Moi-même, moi, c'est vrai, j'ai un collègue Dumont dit, au moment opportun, il y a deux points qui sont capables de venir dans le débat, mais si n'a pas parlé d'une commission de décharge, et vraiment, Fatra, les professeurs qui n'ont pas touché, les gens qui n'ont pas travaillé, la vie chère qui c'est des problèmes réels. Mais il parle en débat et nous pas fini à débat. Okay. Et sénateur Dumont, continue. Merci, sénateur Denius. Mais je vais vous rappeler, nous avons la finalisation de la commission des comptes généraux et de décharge. Et je n'ai pas senti que je n'ai pas dans l'ordre du jour. Là. Et sénateur Salomon protestait contre ce qu'il considère comme un dapillant. Son opinion. Oui, ça peut être une opinion. Ça peut être une opinion. Mais de toutes les manières, il s'exprime. Et dans le cas de ça, il parlait de l'affaire Fatra. Ça veut dire que quand on établit une comparaison, quand on fait une analogie, quand parallèlement ou à côté de sujet principal du jour, là, mais nous rappeler sujet principal tout le temps. Oui. Ce n'est pas une faute de méthode. Oui, mais ce n'est pas une faute de méthode. Deuxièmement, ça doit dire mon fond pas rentrer dans le spiralisme en tout. Mais le spiralisme signifie finalement qu'on a. Il faut avoir une politique politique. Et deuxièmement, je ne voudrais pas entendre sénateur Célestin parler de intérêt. Oui, c'est que je Sénateur Dumont, Sénateur Dumont. Bon, mais Sénateur Salomon, tu reprends le nid. Et moi, je voulais mettre accent sur ça. Intérêt personnel, on ne peut pas oblitérer son moi. C'est normal que j'ai un intérêt personnel. Mais intérêt personnel, là, il a toujours pipiti. Mais vraiment, millions de fois pipiti que l'intérêt national, là. Et lorsqu'on quitte l'intérêt personnel là, ou mettez intérêt mesquin, ça veut dire, ou prend sous intérêt national là, ou mettez sous port là, à ce moment-là, mot intérêt là, vient totalement négatif. C'est ça que je veux dire. Merci. Oui, il n'y a pas d'autre intervention sur le sujet. Comme on l'avait fait, je reprends cette formule-là, ce n'est pas une élection. L'article 204 dit, précise, il est formé. Il n'y a pas d'élection, il est formé. Et la formation de cette commission, on a retenu, secrétaire, prenez note, s'il vous plaît. La sénatrice Dieudonné Luma-Étienne, sénateur Ronnie Célestin, sénateur Ronald Larèche, sénateur Kedler Augustin, sénateur Évalier Beauplan,
Sénateur François Denis, 6 membres de la commission. Merci. Et secrétaire, pour le secrétaire, veuillez passer devant nous le point 3 de l'ordre du jour. Alinéa 8. Article 38, alinéa 8. Point 3 de l'ordre du jour. Poursuite du vote du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune aux municipalités à son article 37. Voilà. Merci. C'est l'article 37. Article 38, on est arrivé à l'article 38. À l'article 38. On n'avait pas encore voté 37. On n'avait pas encore terminé avec l'article 37. Non, on était à l'article 38. Non, ah oui, 37. 37. Merci. 37. Merci. Au point 13. Merci. Merci. Oui. Merci. Oui, donc on va continuer. Alinéa 13. Collègue, on va continuer avec la. Oui. Merci. Article 37. Premier secrétaire. OK. Article 37. Proposer la liste. Article 37, alinéa 13. C'est ça? C'est ça. Alinéa 13. Proposer la liste des juges de paix à nommer par l'exécutif. C'est la président. Oui. Je demande la parole. Je demande la parole. Vous l'avez. Président, ce jour-ci encore, je reviens à la charge sur ce 13e alinéa de l'article 37. Hier, on a eu un très bon débat sur cet alinéa-là. Et il y avait eu des propositions. Et président, les sénateurs, la majorité de mes collègues sénateurs s'étaient mis d'accord pour qu'on garde ce 13e alinéa. Mais heureusement, il y a un bail qui passait, comme on a infirmé, nous permettre de tourner sur les jours. Le sage a toujours besoin de la matière et surtout du temps pour prendre ses décisions, car le temps, parfois, est un très bon conseiller. Hier, on m'a demandé pour collègues garder constitution, garder article ça et pour nous prendre une décision de sagesse. Effectivement, la constitution, on lui dit, c'est l'assemblée départementale, l'assemblée municipale qui doit nommer juge de paix. C'est l'assemblée départementale qui doit nommer juge première instance et cour. Monsieur le président. Motion accordée. Non, il n'y a pas nommé. Oh, ok, je rectifie. Alors, qui doit proposer? Et pour nous-mêmes, la Cour de cassation. Président, nous allons attirer l'attention, collègues sénateurs, sur ça, nous avons dit à la, parce que nous sommes des hommes d'État. Si nous avons le pays par rapport à la Constitution, n'a pas depuis 1987, avant même amendement, il y a un pile bagaille qui n'est pas appliqué. Et la République souffre de ça parfois, mais il y a malheur qui n'est pas arrivé tout. Alors que les institutions ont besoin, il y a même dit ça, comme la commission de conciliation, qui n'est pas jamais. Comme la haute cour de justice, qui n'est qu'à juger officiel, qui a fait des ordres, n'a pas jamais ça, président. Machiavel dit, on bagaille, il dit, qui ça m'a fait de mauvais si m'a utilisé de manœuvres frauduleuses pour m'amener le pays au bon port? Moi-même, pas là-dedans. Je pas utiliser manœuvres frauduleuses. Les dispositions de la Constitution sont là. Nous avons deux comportements que nous avons gagnés.
Gen yon kote wala aplike l si ou estime li kapab koze dega an de sosyete ya, ou oblige reflechi sou li kom saj ke nou ye. Eh bien, président, article alinéa 13 là parle de liste de juge de paix que l'assemblée municipale doit proposer par exécutif là pour nomination. Nous dit qu'il y a un malheur là. Malheur, président, si Jodian ka parle de une seule institution pays a gagné qui plus ou moins a dégagé et qui pas trop vassalisé par ça me tarelé et émission de l'extérieur là-dedans, en dépit de tout ça, n'est pas capable de reprocher la justice. Là. Mais je dis à président, leur dit. Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Pas parlé? Terminez, sénateur, sénatrice. Allez-y, oui. Allez-y. Bon. Terminez. Non, il a terminé, il m'a développé. Je oui. Développe, président. Oui, oui, oui. Ma petite président, leur dit, à. Nous-mêmes, comme sénateurs de la République, en guise pour nous chercher à corriger, parce que nous avons crié pour l'indépendance du pouvoir judiciaire aujourd'hui. Moi-même, hier après-midi, j'ai fait une recherche pour regarder dans quel système nous comptons avec ça là que nous avons appliqué. C'était difficile pour me joindre. Difficile pour me joindre dans quel système nous avons lagué nomination juge nous dans des hommes politiques. Je voulais attirer attention, collègues, que jusqu'à présent, et constitution, et loi sous parti politique, pas dit pour un ex-sénateur, pour président, pour député, pour magistrat, faut faire préparatoire. Par contre, côté, je dis ça. Et c'est nous-mêmes, politiques, je dis, qui appelons pour nous payer en l'autre orientation avec décision que nous prenons. Moi-même, je propose, président, puisqu'en tant qu'homme d'État que nous y est, homme d'État, nous avons une projection que nous faisons pour le pays nous dans 5-10 ans qui a fini. Pendant le passage de nos mandats, nous avons posé pion. Moi, c'est ça que je vais faire là, pour poser graine pion, pas non, pour ne pas quitter aller vers des rives là. Au lieu que nous courons entre tête baissée, président, sous prétexte que nous cherchons à appliquer un article constitution qui n'est pas jamais appliqué depuis plus de 30 ans et qui n'est pas mettre dans des cas que nous avons là. Moi, t'a conseillé pour nous faire un petit campé sous 13e alinéa et même section 6 là, pour nous voter l'autre. À chaque fois, nous avons tourné sous les pour nous faire une réflexion beaucoup plus profonde. Mais nous pas rentrer tête baissée là-dedans. Président, hier soir, je lis un texte que je considère comme sacré. Comment ça le dit? Il dit. L'homme prudent que nous avons considéré comme sage, comme nous, même sénateurs, voit le malheur et se cache. Mais les simples ou les sensés avancent et ils sont punis. C'est Proverbe 22, verset 3. Président, l'homme c'est sénateur de la République. Au lieu m'appliquer un article constitution qui va mettre pays non tête en bas non dérive, je préfère camper pour observer, pas appliquer pour pas mettre pays non dérive. Non principe doit dire dans la vie sociale. Motion accordée. Monsieur le président. Collègue sénatus avocat de son état. Il dit que le temps permette-lui que l'a vérifié et pour le chercher dans quel système il a lagué le choix des juges dans les mains des politiciens. Ma préponde pour me dire dans le système que nous-mêmes nous établissons à partir de la Constitution et surtout de la Constitution de 1987. Amendé. Et en même temps, m'a dit s'il a cherché. L'abjoindre les juges, surtout aux États-Unis, au Cour suprême, mais c'est dans même politicien que la guerre. Cependant, nous avons compris, il fait catégorisation des hommes et des femmes politiques. Il y a, dans la catégorisation que le fait, il y a des petits politiciens, gros politiciens,
grande assemblée, petite assemblée. Mais m'abdil d'abord dans le système panouan, avec les juges de la Cour de cassation, c'est nous-mêmes qui choisissons. Est-ce que ça va nous droit, parce que la constitution est claire au niveau des élections? Ou qu'on lit ou bon, pas qu'on lit, parce que ce soit nos sénateurs ou bien président ou bien président ou bien député, donc c'est presque la même chose, parce que il y en a qui qu'on lit, il y en a qui pas qu'on lit. Donc peut-être le fait que nous l'en cours de cassation, nous l'en sénat, mais bien sûr, je m'explique, parce qu'on dit qu'on fait recherche. Président, c'est ça me dit. C'est moi, on va y émotion. Non, faut sénateur, va mettre parole dans la bouche. Je suis là. Ouais. Et je suis maître des mêmes mots. Attends, c'est ça. Et me dit que le système. Donc, on y a. Est-ce que nous-mêmes, assemblée pas nous, en tant qu'assemblée des sénateurs, liban nous droit pour nous faire choix. Et l'autre assemblée a. Qui lui-même sont assemblés aussi bien que nous-mêmes qui sont assemblés des Kasek et des Azek. Vous comprenez? Même assemblée, hein? Mais avec une autre catégorie. Qui ont même eu le droit pour choisir les juges de paix. Mm-hmm. Mais, toujours bon, mais. Parce que dans le même pas de droit, il y a un autre article qui dit pour être juge, il faut. C'est une motion. Je crois que ce serait la même, ça va être la même chose. Pour être juge de paix, il faut. Très bien. Très bien. Bon, la motion. Merci, monsieur le président. Merci, président. Merci avec à sénateur Sorel pour rappel que le fait. Oui, la constitution de 1987 a implémenté en Haïti un système d'assemblée. Mais un système d'assemblée, président, après plus que 30 ans, nous avons dit pas trop bien marché. Et nous avons des exemples là, hier, là, jusqu'à présent. Nous avons un cours de cassation qui, aujourd'hui, a fonctionné avec 6 membres. Alors que nous avons gagné 12 membres. Dans 6 membres, président, si, après grâce bon Dieu, nous n'avons pas notre commission de justice là, pendant un an qui passe la transition, nous avons chaviré la Cour de cassation et nous avons seul 2 membres. Pourquoi nous avons avec 2 membres? Parce que l'Assemblée des sénateurs. Oui. Allez-y, motion accordée. Donc, moi, pour un collègue, moi, sous parole, s'il pas à la tête, ça veut dire que dans notre assemblée, il est une exception. L'autre assemblée, il y a une exception là dans le tout, monsieur le président. N'est-ce pas? Très bien. Je réponds au président pour me dire, nous là, si je ne bats pas la tête, mais il doit réduire à un homme. Parce que ces institutions n'ont pas monté. C'est un grave problème que nous avons aujourd'hui. Où je n'ai aucune opposition, l'a fait salver parce que politique publique nous yo n'ont pas déterminé à l'avance. Je dis, on a fait prévision pour pays, on a pris des décisions à travers des textes de loi qui disposent pour l'avenir. Nous même dit président, effectivement, il y a un régime d'assemblée qui est institué, instauré en dedans constitution 1987 non, mais dans le régime d'assemblée ça, il y a un problème parce que jusqu'à présent institution n'est pas forte. L'on parle des États-Unis d'Amérique, c'est bien de regarder les États-Unis d'Amérique, c'est bien de regarder la France pour nous ça l'a fait, mais c'est pour nous regarder tout qui j'ai institution française, yo campé, tel par exemple, les partis politiques, comment ils ont fonctionné, partis politiques qui vont avoir n'importe qui à l'élection. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur le président? Moi-même, moi, je m'en fais politique, moi là comme sénateur de la République, mais. Je ne peux pas même passer comme un politicien qui a fait un bagage sans pas questionner, retomber le pays. Nous, on dit encore, président, il ne peut pas faire nous crasse mal si on a un article de la Constitution aujourd'hui pour appliquer. L'article 27 de la Constitution que nous avons maintenant, qui parle de habeas corpus, pour ne pas arrêter les gens illégalement, pour ne pas détenir les gens illégalement, jusqu'à date en Haïti, il ne peut pas appliquer. Les gens continuent à arrêter les gens mal. Mettez-vous en prison mal. Et c'est la constitution qui bat droit à un recours qui est recours en habeas corpus devant doyen. Commissaire gouvernement parle. Il parle plaidé pour la société. Ça cause grand pile de monde qui a pourri en de prison. Mais c'est une disposition constitutionnelle. Le CEP permanent, nous ne pouvons pas gagner. C'était prévu, président. Maintenant, aujourd'hui, on a conclu pour nous dire. Collègue Frémiot, sénateur là. Nous n'avons aucun intérêt pour nous fourrer pays en bon la boue sous parce que volonté que nous avons gagné pour nous dire qu'il y a un article de la Constitution que nous devons appliquer là. Nous tous connaissons
constitution qui a problème. Et c'est parce que le problème nous dit, nous montons une commission, pour commission à travail, pour faire des propositions d'amendement. Pour qui ça ne pas font petit camper sous alinéa 13 là, sous section 6 là, même lorsque après nous venons 200e et article là, nous t'a retourné sous lui. Merci ça. Ça va déranger non et me finit président me dit encore. Oui. L'homme bien avisé, l'homme prudent, le sage avant d'engager pays, il questionne. Merci. Parce que quand on peut rentrer ou pas qu'à retourner. Sénateur Kedler, au visa après sénateur. Ah. La merci président. La commission d'abord. La commission d'abord. Président, hier la commission pas parler en pile non s'il vous plaît. Oui. Oh. Hier nous avons longuement débattu de question ça. Et moi qu'on a tourné en rond, nous va le dire même bagaille. Sauf que président, là nous avons une disposition constitutionnelle. Nous voulons dire, collègue sénatus, même le nous pas mettre à l'alinéa 13 là, ça va retirer à l'Assemblée prérogative constitutionnelle ça qu'elle gagne. Et si l'Assemblée municipale là existait, il y a un juge qui nomme sans que ce pas son liste assemblée choisie, c'est que le juge là n'est pas juge tout simplement. Donc moi-même, moi crois que la loi li vin préciser, li vin appliquer disposition ça parce que li dit oui, c'est l'Assemblée qui a choisi, mais il faut qu'il fasse un appel à candidature. Très bien. Pour lui voyer le exécutif là. Très bien. Exécutif là, même pour demander conseil supérieur pouvoir judiciaire là à Vili. Monsieur le président. Encore danger. Comment imaginer, président, Haïti, dans le pays, nous avons fait une petite étude sociopolitique de pays. Nous apprenons nos comptes pour nous dire que c'est toujours des courants qui traversent le pays. Courant politique. Hier, c'était FNCD. Au moment, c'était la Valas. Jeudi, à CPHTK qui gagnait. Puis, il faut élu, non, et municipalité, etc. Imaginez un instant, président. C'est l'Assemblée municipale PHTK qui gagnait dans 145 communes pour proposer des listes à l'exécutif. Ce qui n'est pas le cas. On prie le Seigneur pour ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Non, on dit, on a prié mon Dieu, ce n'est pas le cas. Mais on prend figure là. Oui. On prend figure là comme n'importe parti politique. Et que le président, où il va rejoindre l'Assemblée municipale, ça y est, il prend quelqu'un pour faire proposition de juge. Ou pensez, monsieur, dame politique, ça y est, pour choisir le monde qui n'est pas PHTK? Président, c'était une motion. Motion. Président, laissez terminer le président, président de la commission. Après, sénateur qui est l'organisme. Président, on imagine un instant, courant nous gagne dans le Sénat, son courant, PHTK, bien son courant, Lavala, son courant, vérité. Ou imaginez même Jean, collègue sénateur, c'est vous qui avez choisi juge dans le cours de cassation. Président, n'a pas appliqué la constitution, n'a pas appliqué la loi. Et moi, prendre disposition par métier, ça n'enlève en rien cette prérogative de l'Assemblée municipale. Très bien, merci. Ça a été l'Augustin. N'a pas appliqué. Ça a au contraire. Chers collègues, disposition ça. Motion sur motion, nouveau président. Vite fait dit, ou a choisi, oui, mon bac a choisi n'importe qui, Jean. Très bien. Donc moi-même. Motion sur motion, nouveau. Je ne comprends. Président, j'ai la parole, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai la parole? Attendez, laissez terminer le collègue. Avec la modification de notre collègue Yuri, à la place de police administrative. Et on met police nationale. Et puis, avec les propositions de la commission, organiser les appels à candidature, ainsi de suite, on passe cet article au vote pour clore le débat. Président, on va passer le vote. Ça, le débat va épuiser. J'ai la parole. On m'a accordé la parole déjà, monsieur. Sénateur Kedlogusa, après le sénateur. Merci. Célestin. Merci. Laissez-moi. Qu'est-ce que me dit tout d'abord que moi, j'ai apprécié. L'ambiance dans laquelle que débat a fait là et m'a fait collègue ouais j'aimerais nous t'a fait là c'est vraiment plus bon l'on a une possibilité pour tant des collègues là parce que nous venons faire exercice là pour que du choc des idées jaillisse la lumière
Et c'est ça qui fait que je souffre en pile, je ne prends pas de motion, je prends pile de motion d'agapon sur l'intervention sénatrice là. Mais il faut que je ne passe pas en bagaille un petit peu chicanier comme si pour empêcher de développer l'idée. Au contraire, j'ai besoin que le film parle et que pour me garder l'opinion. Pour que je me garde petit président, c'est que je crois que l'intervention du sénateur Sénatus, je suis capable de qualifier d'intervention, je suis capable de dire, je suis capable de dire, sympathique, c'est-à-dire que son bagage idéal, ou elle grandit bonne foi, et il est clair que même si on n'est pas d'accord avec ça, la dia, ou qui ça veut éviter, même si en fait, il n'est pas facile pour le Darwin qui côté il veut aller. Mais, intervention là, ou qui côté il ne veut pas tourner, ou bien qui côté il ne veut pas arrêter. Mais ça qui est important, il n'est pas facile pour le dire qui côté il veut aller. Oh, machine n'a pas qu'à camper. La fonctionne quand même, la société est en marche. Et le fait que la société est en marche, côté je vais avoir une distance avec lui, c'est parce que certainement, il y a une pile d'idées qui est là. C'est toujours dans la même logique par là. Pour garder s'il est capable de faire la démocratie à fonctionner plus bien. C'est des propositions qui sont antidémocratiques en même temps. Parce que la démocratie à elle-même, ce n'est pas le pire des régimes politiques. Mais c'est un simple système de gouvernement qui permet que l'État ait un équilibre de pouvoir et une façon que nous décidons de le diriger. Lorsqu'on ne va pas prendre une conception moraliste, ou pas prendre pour dire ça que fait l'État qui peut manquer l'autre, ça peut bien fonctionner, des fois on dit c'est Mounio. Mais nous autres en Haïti, nous sommes dans une expérience démocratique. Ça veut dire que, il y a toujours une discussion ça. Et je crois que je dis, il faut qu'on analyse dans quelle phase que nous sommes. Une phase côté que tout le monde acceptait le fait accompli, nous sommes en dictature, pas que le monde qui contestait, c'était la peur. Une autre phase encore, c'est contestation pour renverser le régime là, pour que nous venions à l'autre système. Nous faisons, et puis nous venons à nouvelle ordre dans la Constitution. Kounia, malgré nous et nouvelle ordre, nous sentons que les choses n'ont pas avancé. Kounia, nous avons questionné l'ordre que nous avons chita sur l'IA qui est la Constitution. Donc pour moi-même, ce n'est pas mauvais que le sénateur soit capable de questionner la Constitution et les règles que nous avons faites. Mais cependant, et ce que nous toujours fait en Haïti, chaque fois que nous avons une situation d'impasse, c'est-à-dire que nous n'avons pas une solution. Que... Oui, j'en ai assez gentil pour me déguider tes collègues la parler, mais il a peur des mots. Mais de toute façon, le débat revient, je reprendrai la parole, Président. Sénateur Sondeur, sénateur Foucan, sénateur Edjepi, appelez-les s'il vous plaît. Voilà. On continue. D'après le règlement, il y a un temps pour le lieu. Donc, merci, Président. On continue. Heureusement, merci, sénateur Diopi. Mais là, je fais mon malhonnête là. On continue. Donc, moi, je pense que. Ça que pour nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On a. Puisant dans la même sagesse dont le sénateur, sénatrice a parlé tout à l'heure. Moi-même, je pense que. Une erreur que nous faisons, nous faisons diagnostic problème, yo, mais quand nous jouons une solution, nous ne pouvons pas jouer. Sagesse là doit faire nous reconnaître que certaines fois, nous sommes en dehors de la normalité. Malgré tout, on a qu'un. Et des fois, on a bataille pour entrer dans la normalité. Ya. Là, je dis, le président, nous ne sommes pas en dehors de la normalité. Ya. Nous avons un texte de loi constitutionnelle, oui. Et le principe fondamental, tant que lui-même est en vigueur, il faut qu'on applique. Ça ne pas retirer.
dans la pertinence analyse sénatus pour que véritablement nous acceptions que ce n'est pas comme ça le tadoué, mais c'est comme ça lié. Maintenant, dans la démocratie. Termine pour nous, sénateur et Wissé, termine pour président, nous. Président, pas de discrimination. Assez, ah, peine commencer, président. Monsieur, président. Monsieur, assez. Ah, pas qu'à peine commencer pour dire terminer, non. Donc, moi, je voulais dire que, président, donc, les maps, ben, solution, à dire terminer, président. Peuple, pourquoi pour nous, contre solution, hein? Donc, lorsque on a démocratie, parce que tout ça n'a fait là, son manque de formation, non, ça te Jacinthe. Son manque de compréhension de sac démocratie. Démocratie, c'est la dictature des lois. Et dans la loi, il y a une hiérarchie des hommes. Il dit que c'est la constitution qui est pire. Une fois la constitution qui n'est pas bon, nous avons une possibilité pour nous amender et dans les formes que le prévoit encore. Donc je dis, le problème qui est capable de présenter certainement, que par exemple, un simple citoyen a regardé et pas comprendre ça, m'a dit, il a pensé ces phrases, m'a dit, mais comment est-ce dans l'application pratique la comprendre? Ça veut dire qui ça? Je dis, avant nous dire ça que nous avons qu'un norme constitutionnel là, nous ne pas appliquer. L'homme pas l'applique un bagage en fonction de l'autre norme. Pas le bon conflit. C'est un temps. Pas le conflit. Et les conflits qui ont dans la société démocratique, c'est dans le tribunal pour la résoudre. Quand on va le mettre juge dans une situation difficile, parce qu'à chaque fois que le juge la table est appliqué, sort quoi qui est bon, qui n'est pas constitution, on a un avocat compétent, tant que M. Kedler Augustin, qui a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité au nom de l'article 183 constitution, pour dire que le pape a appliqué. Et là, ça, où il y a une situation côté que. Ou bien on viole les constitutions pays, pas ou devant tout le monde. Et laisse ça, n'a immoral que n'a dit arrêtons comme si bagay, Guy Philippe là, nous pas de courage pour nous parler. Le exécutif là même, il dit les papes font bagay ou pas gagner pour dire. Donc je dis à moi, quoi que, c'est vrai que vous nécessitez pour nous amender l'article là, mais tant que cette constitution existe, faut que nous fassions, j'en ai dit là véritablement. Merci. Merci. Président. Attendez, s'il vous plaît. Il y a une proposition du sénateur. Oui, il y a une proposition, président. Ah, sénateur. Et on va même un peu souriant. Sénateur François Denis, non? Sénateur Sénatus. Oui, alors la proposition, c'est quoi, président? Nous avons deux propositions pour nous sortir du problème. Ça. Moi, j'ai feuilleté préambule, texte là. Là-dedans, moi, il n'y a pas visé les lois de 2007, les lois cadres de 2007 sur la magistrature haïtienne. M'pawe, ni loi sur le statut du magistrat, ni loi sur le CSPJ. Il n'y a pas visé. En première proposition, c'est pour nous viser deux textes de loi SAIO dans le préambule. Au vote de l'ensemble, on fera ça. Alors, nous avons le secrétaire général là avec les amis qui sont disponibles pour nous. Non, les amis qui sont disponibles pour nous, après notre sous ça pour nous tourner sous lit. Parce que c'est un bon anormal, il n'a pas de magistrature. Visa de la loi de 2004. La loi, statut de la magistrature, école de la magistrature. Oui, d'accord. Le statut de magistrat, le CSPJ, etc. Parce que CSPJ a bien quand même pour le bail à Vili sous chaque magistrat, il y aura le nommé. Et oui, c'est ça. Deuxième proposition. C'était un ajout que nous avons fait, nous avons proposé. À l'alinéa 13, toujours là. Oui, à l'alinéa 13. Mm-hmm. Proposer, soumettre la liste à soumettre. Organiser. Président, vérifiez le quorum, s'il vous plaît. Ah. Organiser. Ces camarades qui laissent envie de faire boire ici à celle-là. Organiser. C'est appel pour me faire. Je suis d'abord chez le ministère. Puis... Secrétaire de rédaction, vérifiez le quorum pour nous, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sénateurs.
parlement travaille. Il y a 14 sénateurs. Collègues, nous devons respecter. Collègues, il faut que nous respections le règlement intérieur là. Et sénateur, demande de sénateur Larèche, qui a demandé de vérifier le quorum. C'est 15 sénateurs nous gagnent. Nous devons respecter ce règlement. Et m'a dit merci pour séance qui commence après-midi. Et ce commission de charge là que nous formons. Nous formons la commission de charge là. Il faut continuer notre travail. Je pense que c'est un bon bagage. Moi-même, c'est la première fois que je préside une séance. Et je remercie nos candidats là avec. Et je me souhaite demain après-midi, à 2h, tout le monde est présent pour continuer le travail là. Sur ce, la séance avec copie loi. Surtout, et sur ce, la séance est levée.